Bonjour tout le monde et bienvenue dans un tutoriel rapide sur comment installer Java 32 bits ou 64 bits. Tout d'abord, nous allons voir sous quelle architecture vous êtes, soit 32 ou 64. Pour ceci, vous allez aller dans Ordinateur, clic droit dans le vide, Propriétés, et ici sur la ligne Type du système, vous allez trouver Système d'exploitation 32 ou 64 et Processeur x64 ou x86. Si vous avez 64 ou 2, vous pourrez télécharger la version 64 bits. Mais si vous avez un processeur 64 mais que vous avez le système d'exploitation 32, ça ne fonctionnera pas. Vous devrez prendre la version 32 bits. Donc, comme je suis sous 64 bits, je vais télécharger la version 64. Donc, ici sur la page d'accueil Java, vous allez vous rendre sur Télécharger. Ensuite, un peu en dessous, vous allez trouver Voir tous les téléchargements Java. Vous cliquez. Si vous êtes sur 32 bits, vous cliquez ici. Et 64, vous cliquez ici. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais l'annuler et le lancer. Voilà. Donc, si vous voulez modifier le dossier de destination, vous cochez la case et vous pourrez le changer plus tard. Moi j'en ai pas l'utilité, donc installer. L'installation est généralement assez rapide, je trouve. À titre informatif, si vous vous demandez quelle est la différence entre 32 et 64 bits, c'est que la version 32 bits n'accepte pas plus de 3,8 Go de RAM, je pense. Et la version 64, elle en accepte beaucoup plus. Encore quelques petites secondes. Et voilà, Java est installé. Vous pouvez cliquer sur fermer. Et voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé mon tutoriel et à bientôt.